de Ligue 1, on va parler. Parce qu'il a dit qu'à chaque fois qu'on parlait de Neymar, elle allait boire un verre. Ouais, il a mis. C'était quoi? C'était la beauté du football, je crois. Il a mis un snap, et genre comme quoi, à chaque fois que Stéphane Guy parlerait de Neymar, il buvrait un shot. Je pense qu'il a même pas pu voir la fin du match, le pauvre. Non, mais même. Bref, c'est Stéphane Guy, on se rappelle de lui il y a un an. Il y a un an, même pas. Non mais. Le mec, il connaît pas le foot. C'est juste. Bah là, Le Guen, il est redevenu entraîneur. Ah oui? Ouais, il entraîne un club turc. Bursaspor ou. Ouais, je crois que c'est le Bursaspor. Ouais, donc il a. C'est lui qui a le. Commentaté, ouais. Commentateur des matchs. Prestige. Mais c'est pareil, l'autre là, comment il s'appelle Putain. Merde. Ah, j'ai perdu le nom. Celui qui a un accent marseillais, un peu. Enfin, un accent du sud. Eric Dimeco? Non, celui qui va voir les joueurs à la fin du match, là. Ah bah Ganelli? Ah ouais, putain, Laurent Paganelli, voilà. Putain, Ouais, le commentateur. lui, il est magique, lui aussi. Hein. Bah, c'est un journaliste, c'est pareil. Non mais lui je l'adore, c'est pas Oh un. non, moi il est bidon, arrête. Je sais pas ce qu'il a fait avec Neymar, mais il est. Mec, avec Neymar, s'il te plaît, il dit 2-3 mots en espagnol, ça y est, il était dépassé. Il a dit, c'est parce qu'il a eu le titre d'homme du match, tu vois. Du coup, il était avec son trophée et tout, il a dit, c'est par la cheminée, tu vois. Il sait même pas comment on dit cheminée, il veut interviewer. Sans Il a déconner. vraiment un rapport avec la cheminée. Ben il a dit ouais en gros mets ça sur ta cheminée tu vois. Mais il est trop con tu vois, il dit porc la cheminée. Vas-y, le mec c'est pas. Franchement, vive les commentateurs de Bein et vive les intervenants de Bein quoi, parce que putain, Canal. Hier j'ai voulu regarder le match sur MyCanal. J'avais lancé le truc sur mon ordi, je l'avais retranscrit sur ma télé. Mec ça faisait que de bugger, c'était la merde. Enfin toutes les 10 minutes mec. À peine avec une action de but, bam, ça a coupé. Je me rappelle mec qu'il avait J'étais en train de. qu'il a mis sur YouTube. Je crois que c'était en stream en plus, ça buguait pas. Hein. Mais c'est sûr sûr. J'étais en train de péter un plomb, mec, je te jure. Ouais, tu payes pas. Ouais, mais bon. Mais les commentateurs de SFR sont pas mal aussi. Franchement, ils sont largement meilleurs que ceux de Canal. Je sais pas si c'est. Mais c'est de Ouais, t'as pas vu la vidéo qui t'ont dit chier sur un peu prendre l'essai sur tout ça? Si, bah du coup ils ont mis la voix de machin là. Ouais, ils ont mis les voix de merde, la gestion de prénom sur FIFA. Après, ils étaient commentateurs de l'Unisport, mais c'est magique. Imagine t'as ça sur FIFA, hein. Ouais. Tu prends le but, je m'en fous, mais c'est magique. Bon, on est sur une bonne série là de. Je Attends, combien? Ah, oh, on est sur une. Oh oui, on est sur une très très bonne série! Alors. Une, deux, trois. Trois défaites d'affilée, un nul. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh putain. Sept Qu'est-ce plus. qui nous risque de faire? Putain. 10 défaites en gros d'affilée si on compte pas le nul quoi. Sans déconner. Flo ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va plus du tout. Là on est à 3 défaites en division 3, c'est pas normal tu vois. Faut qu'on se réveille. Il faut se réveiller. Merde, j'ai fait ça, j'ai quitté le team, j'ai quitté le game. GG. Salut Caca Brésil. Un mec qui regarde notre live.
Donc, ouais, bah, on va parler du Paris Saint-Germain aussi pour le débrief. Moi j'ai envie de parler quand même d'Mbappé, vas-y. Ah ouais, Mbappé, toi? Ah, faut Ouais. quand même qu'on parle des matchs de Ligue 1 qui se sont passés aussi, hein. Ce gamin qui a rien prouvé, il m'a fait ma matinée. Attends, on va regarder un petit peu. Faut que d'abord qu'on parle de la journée Ouais, de Ligue parce que 1. moi, aujourd'hui, je voulais sur lui, tu vois. Ainsi soit-il. Ouais, il m'a énervé. Lille a encore perdu, hein. Ouais, c'est Lille, ils sont vraiment tendus pour eux, hein. Bielsa, Bien ça. Ouais, là, alors, ouais, faut Bielsa, dire. c'est chaud, hein. Ça, on va parler de ça. Mais c'est la casse pour moi. Dites ça, vite, monsieur, s'il vous plaît. Bah, il fait des mauvais choix, mec. Tu peux pas dire le contraire. Il a encore fait quasiment tous ses jeux. Il a encore fait quasiment tous ses changements à la mi-temps, mec. Faut qu'il arrête de faire ça, tu vois. Il faut qu'il trouve un système. L'équipe, elle est. Ouais, ils jouent 11 joueurs. Les 11 joueurs, et c'était presque. L'équipe entière, et le seul mec qui a fait tout le match, il a fait du tout un système, mec. C'est pas comme il était avec l'OM. L'OM, c'était des cadres. Il a rêvé, il a fait son taf. Il a bien travaillé. C'est ce qu'il dit, il montrait la différence entre l'OM et Lille. Il comprenait pas pourquoi ça prenait pas. Bah, Lille, il a que des gars là. Et c'est tout un système. Moi, j'ai confiance en lui, dans mon plan, quoi. Ça va faire comme Pep Guardiola. Il n'a pas la même équipe. Il va être longtemps à trouver un truc. Mec, bon là ça va, c'était à la 89e. C'était à la 89e, mais Benzia il se blesse, tu vois, alors qu'il avait déjà fait tous les changements, Bielsa, tu vois. Ouais, ça c'est con. Bien Donc, ça, con. c'est toujours pareil, enfin, faut qu'il arrête de faire tous ces changements. Monaco, ça a été dur aussi, hein. Heureusement qu'il y a eu Falcao, quoi, mais putain, tendu, hein. Monaco, je pense qu'on fera une bonne saison encore. Mais c'est Ouais, pas grave. enfin, là, c'était contre Metz, hein. Ouais, c'est bien, mais ils ont pas eu beaucoup de chance. Parce que moi, j'ai compris comment. Nantes gagne 1-0. Salah, apparemment, il fait un bon début de saison, hein. Qui? Salah, le joueur de Nantes. Ah, c'est là. Je parle pas de la première ligue, attention, c'est pas le même Salah. Ah ouais, non, j'ai pas compris. C'est Emiliano Salah, c'est pas. C'est pas celui de Liverpool, hein. Ah ouais, lui, je connais. C'est qui qui me fait? Ouais, mais la course, je crois qu'ils vont bien regarder Paris à la fin de la championnat. Je sais pas. On verra ce que Jardim nous prépare, tu vois, mais. Attends, oui, on voulait changer d'équipe ou au moins la modifier peut-être, non? Changer d'équipe. Changer d'équipe Mais carrément. c'est pareil. Ok. Tu votes pour qui toi? Je vote pour personne. Si je vote pour l'équipe, on perd. J'ai des histoires. On reste en première ligue ou pas? Vas-y, hein. Chaud. Il y a quoi en première ligue? Il y a des petits clubs comme eux. Cette année, l'équipe elle est plus. Elle est mieux, tu trouves, cette année? Enfin, l'année prochaine? Il est plus près pour en plus. Ouais, Lucas. Je trouve. Non, il y a Lindelof aussi en défense. Mais Lindelof, c'est pareil, tu vois, ils vont le mettre à la place de qui? Smalling ou Bailly? Il est solide en France. Je crois qu'il a pas trop de matchs. Il y a que deux matchs. Hein. Pas de chance. Alors. Bon, c'est comme ça. Hein. Déjà, on va voir le Bayern, on va encore jouer. Euh...
Non, je joue pas Call of Duty, non, caca Brésil. Ouais. Tu l'as toujours Battlefield Toi? Ouais. Non, tu l'as plus. Very disappointing beginning to this campaign for them. And at the moment they've been relegation hunters, but as seasons young and plenty of time to turn it around. The manager will be working hard on that training ground because there are plenty of things that need to be done. This is then the Manchester United line. Bah, toi qui Oh putain. Ouais, c'est... Attention, hein, parce que le mercato, il se termine dans 10 jours, hein. C'est votre meilleur buteur. Hein. Malcolm, ils vendront pas Bordeaux. Bordeaux, ils vendront pas Malcolm. Hein. Mais ils vont pas mettre 30 millions, on rêve pas. Hein. Moi, je crois pas. Moi j'y crois pas, hein. Franchement Malcolm il partira pas. Hein. C'est leur meilleur joueur mais qui partira là mais. Bah oui mais ils vont pas vendre un concurrent tu vois. Surtout que c'est pas forcément un concurrent, parce que ils visent pas le titre, tu vois, Bordeaux. Mais ils visent au moins la compétition européenne, tu vois. Et mec s'ils vendent leur meilleur joueur. Bah oui, mais justement, c'est pour ça que vous êtes un concurrent direct pour eux, tu vois, parce que vous visez les mêmes places qu'eux. Donc du coup, ils vous vendront jamais. Ouais, au moins l'argent il reste dans la Ligue 1, tu vois. Ouais. Ouais mais tu mets Malcolm à Dortmund, ok mais tu le mets où? Mais Dembélé, mais Malcolm il est pas. Il est pas à droite ni à gauche, il est milieu offensif tu vois. Non il joue au milieu offensif mec. Hein. Ah mais son poste de prédilection mec c'est milieu offensif, il joue en 10.
ils font beaucoup de faux pas. Non, non, le coup franc, ils sont bien tirés. De quoi? Ouais, franchement, petite erreur défensive au niveau du marquage, une erreur défensive au niveau du marquage sur le premier but de Toulouse. En fait, si il est de quoi? Il est pour là, moi je trouve qu'il est plus pour la défense qu'il laisse complètement le marquage en fait. Genre ils avancent sans regarder derrière eux et l'attaquant est seul quoi, tu vois. Thiago Silva équipe MB pour moi. En plus Thiago Silva, parce que équipe MB était sur son joueur et Thiago Silva avançait sur le même joueur en fait. Donc l'autre il était tout seul. Mais Kipembe, pour moi, a fait un bon match, un très bon match. Et s'il continue comme ça, il va prendre la place. Moi ? Non mais voilà, tu vois, enfin ouais, après sinon voilà, Neymar était omniprésent, enfin c'est vraiment un truc de ouf, il va vraiment rehausser le niveau de tout le monde, tu vois, parce que quand tu vois un mec comme Rabiot qui te met des putains de frappes comme ça, franchement il m'a fait kiffer, même Rabiot, tu vois, et il en a tenté deux, hein, quand même. La deuxième est rentrée. Et franchement, il apporte tellement au niveau de la vitesse de jeu. L'année dernière, si tu veux, on était trop en mode. On peut gagner tranquille, c'est bon, on va la jouer tranquille, tu vois. Et là, mec, même si c'est Toulouse, tu vois, quand même, mais. Mais voilà, il a à aucun moment, le mec s'est arrêté, il a joué les coups tranquille, tu vois. Il a toujours joué les coups à fond, les corners il les joue vite. Ça, il apporte de la vitesse dans le jeu, mec, c'est... Ouais. Mec, c'est un truc de ouf. Mais même Kurzawa, hein, l'idée du geste, franchement, je sais pas si l'année dernière il l'aurait tenté, tu vois. Franchement, il va apporter énormément à. Il va apporter énormément au PSG. Neymar, c'est un truc de ouf. Franchement, je pensais pas que. Qu'il pourrait apporter autant, tu vois. Franchement, il a. En deux matchs, mec, il a eu deux fois le trophée d'homme du match, mais il le mérite, tu vois. Franchement, sur les deux matchs qu'il a fait, il a fait deux matchs de ouf. Et il a fait même, je trouve, un meilleur match que contre Guingamp, tu vois. Désolé. Il a fait un meilleur match que contre Guingamp, même, tu vois. Parce qu'il a perdu beaucoup moins de ballons. Je sais pas, dans... Ouais. Franchement. De quoi? Bah franchement, j'ai pas trouvé que l'équipe jouait pour Neymar, hein. J'ai pas trouvé que l'équipe jouait pour Neymar, hein. Franchement, au contraire, Neymar joue pour l'équipe, hein. Franchement, il a fait deux passes D.
il apporte des solutions, si tu veux. Donc c'est normal qu'il y a beaucoup de ballons qui passent par lui. Parce qu'il apporte énormément de solutions en courant partout comme ça, mec. C'est normal que il touche énormément de ballons. Mais franchement, je pense pas que l'équipe joue pour Neymar, tu vois. C'est son rôle de. Ouais, je sais. Non mais non, c'est pas la même chose. Son rôle, c'est vraiment d'apporter des solutions et de débloquer le jeu, tu vois. T'as vu les tweets, mec, les Twitter, mec, c'était, enfin, faudrait que je m'y mette, tu vois, parce que c'est trop marrant, quoi. Les mecs, genre, il y a Lucado, rien que Lucado déjà, il m'a fait rire, tu vois. Genre, tu sais que pour le match de Guingamp, après le match, il a dit que Neymar, c'était un monstre, que c'était indéfendable, qu'il était partout, que tu pouvais pas défendre sur lui, tu vois. Et genre pendant le match de Toulouse, vers la fin, quand il y avait 5-2, je crois, un truc comme ça, il a dit « Ah ben moi j'avais prévenu, hein !» Pareil, j'en ai vu d'autres, genre c'était marqué « Si Neymar continue comme ça, il va finir par aller au Barça. » Bah ouais. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos sur Messi là aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est 300 millions. Ouais, mais ils ont. En fait, depuis qu'il est arrivé, il a pas beaucoup. S'il a 30 ans, il a 30 ans. Ils ont 2 ans d'écart, Messi et CR7. Bien sûr que oui, il vaut plus. Mais... Ouais, c'est... Ouais. Bah, surtout que Guardiola, il le veut, tu vois. Guardiola, il le veut, tu vois, absolument, Messi. Donc... J'aime bien la Ligue 1, tu vois. Enfin, je vais pas être construit comme tout le monde, tu vois. La Ligue 1, j'aime bien, tu vois. Je sais pas.
The attacking now coming from Barcelona. Coming in now. Luis Suarez. Well, here's a chance. We get their nose in front from the corner. Mais qu'est-ce qu'il fout Bailly en attaque là? Sérieux là? Tout à l'heure c'était Smiling. Mais ouais, mais putain! Tout à l'heure c'était Smiling en attaque. Sans déconner quoi. On va se faire démonétiser la vidéo. Ouais, faudrait qu'on soit payé, ouais. Ouais. Il est parti là, il est parti. Ouais. Ah, je lui ai dit qu'on jouait pas Call of Duty, c'est barré. Eh, vous jouez à Call of Duty? Eh, vous êtes fort à Call of Duty? Au moins tirer nul quoi, c'est putain. Mais vu qu'on joue tout le temps quand on est en live maintenant, donc. Oh. On lancera pas de live sur foot, hein. Hold. J'ai vu Gomez. Apparemment, il y a West Ham qui serait intéressé. Hein. Bah, lui là. Oui, enfin, il y a Gomez du Barça, c'est ce que je veux dire. Ouais, André Gomez. Non, c'est Sergi Roberto, je suis pas con, mais ce que je voulais dire, c'est que le Gomez du Barça, il y a West Ham qui est intéressé. Un bon club. Si, c'est le Portugais, putain, t'es con quoi. Kondogbia aussi risque de partir à Valence, ce que j'ai vu. Et Cancelo viendrait pour le remplacer. Guedes, ouais. C'est un prêt, hein. c'est pas encore fait. Hein. Qui ça? Ah oui, il doit toucher un petit peu, hein. Normal.
Dortmund. Attends avant de jouer. Vas-y. Bah plutôt que tu me fasses la passe et que tu me dises hey Joe, tu joues pas, tu veux chier. Je préfère te prévenir. Caca Brésil, retire ton maillot. Non, ça va, merci, je vais pas le retirer. C'est quoi ce gardien aussi, frère? Voilà, bien joué la défense, super. Non, il n'y a pas hors-jeu. C'est le rage kit. Mec, on est qu'à 6 minutes, mec. Pff, trop con. Qui ça? Ok. Bah le mec a fait la tête, le mec était recherché. Ah. Les journalistes ont pas essayé de comprendre. Pause, de FIFA. Identifie-moi s'il te plaît. Identifie-moi dessus s'il te plaît. Bah en même temps mec c'est Ronaldo le... Prends un Other Strike. Parce que rien que le son des fois ils veulent pas connaître les émotions. Mec on entend que dalle, enfin c'est trop saccadé mec. Wesh, c'est pas un truc pour les épileptiques, hein. Trop d'images à la seconde, mec. Ah, j'aime pas du tout. Ah, ils font que... Ah non, ça me saoule. Ah, j'aime pas. Ça met trop d'images, tu sais, genre... ils mettent des images d'une seconde, tu sais, c'est relou. T'as vu, ça fait mal aux yeux, hein. Mais
si tard. J'ai Micro Arnaque qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire que la Xbox One X allait bientôt sortir. Ouais, mais en plus, moi. Venez acheter. Venez. Venez nous donner votre argent. S'il vous plaît. Mec, 499 balles. Ouais. Mais oui, elle va baisser, mec. La Xbox One, elle était pareille. 500 balles, mec. Et ils l'ont fini à 350€ très rapidement, tu vois. Au bout d'un an, mec, elle était à 350 balles. Moi, si je me la prends, c'est dans un an. Moi, je la prendrais FIFA 19. FIFA 19 ? Ouais, ah oui, ouais, je la prendrais, ouais. Pareil, ouais, je pense que je la prendrais avec FIFA 19 sur la Xbox One X. Pourquoi pas, GTA. Ouais, Paris c'est de l'eau, t'as raison, Caca Brésil. On en reparle lors du prochain Classico. Bah parce que ça doit sûrement être un Marseillais pour avoir la haine contre Paris comme ça, mec. Bah mec, vous êtes quand même réputé pour ça, hein. Putain, encore le Real, là, vous cassez les couilles. Toi non, mais apparemment, bah lui ça doit sûrement être un petit picou, hein, mais ça doit sûrement être un petit picou, tu vois, mais bah pour me dire qu'il veut du pour me dire qu'il veut du gameplay Call of Duty déjà, hein. Bah qui, c'est cool. Dis-moi pour qui tu es, Caca Brésil. J'aimerais bien savoir. Ouais, moi je vois les commentaires. Hein. Je vois les commentaires et je vois aussi le nombre de personnes qui regardent. Voilà, il y a zéro maintenant, il est reparti. Mais en fait, il fait des petits allers-retours, tu vois. Il a mangé un Kinder, après il revient, tu vois. Là, il doit être l'heure du goûter, là. Ah bah oui, il est même plus que l'heure du goûter. Il est l'heure de manger la soupe, puis d'aller se brosser les dents, là. Bon, allez, 19h30, allez, au lit maxi, hein. Pas plus. C'est cool, hein. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il se comporte comme un kikou, c'est tout. Ça botte un mec de mon âge. S'il se comporte comme un kikou, c'est un kikou, tu vois. Paris c'est de l'eau. Je suis sûr Pascal Duprat il aura dit ça avant le match aussi. Allez les gars, Paris c'est de l'eau. On va y niquer, on va mettre le bus devant le but. D'ailleurs. Mais non mais c'est ce qu'il a dit, il a pas arrêté de le dire. Ah tiens, ouais, t'avais raison, supporter de Lyon. Depuis 2000 il met. Bah c'est bien. Pas. Bah parce qu'il y a eu un moment où il gagnait beaucoup de titres, tu vois. Et puis maintenant.
très bien. N'empêche qu'il se comporte comme un kikou. Moi j'ai rien dit. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien dit. Je te jure qu'avec un Brésil, c'est pas moi. Il date de quelle année l'Olympique lyonnais? Ouais. J'aimerais bien savoir lequel a été créé en premier. Ah ouais? Ouais, plus vieux je pense, parce que nous on est que de 70, tu vois. 1970, ouais, je sais, c'est plusieurs clubs, c'est Saint-Germain. Après voilà, c'est. Là, en tout cas, ouais, voilà, le club il est jeune, tu vois, c'est depuis 70, tu vois, qu'on peut vraiment dire qu'on est supporter du PSG. Donc. Ah! Non mais il y a un gros problème avec la défense mec. J'ai pas envie de jouer à FIFA en plus, ça me saoule. Viens on va sur Ouais. C'est bon, on a joué 40 minutes à FIFA là. On va jouer peut-être une ou deux parties encore sur Friday et puis. Ouais, 42 minutes mec. Apparemment il s'embrouillait avec des coéquipiers à lui, non c'est ça? Il s'embrouillait avec qui? Ah Radji ouais. Tu peux pas faire ça. Bah oui, d'abord. Tu peux pas ne pas payer un mec alors qu'il fait partie de ton club, tu vois. Parce qu'il y a un contrat. Il y a un contrat derrière, tu vois. Je pense que après les médias en rajoutent un peu beaucoup, tu vois. Bah oui, bah peut-être parce qu'il a pas envie de partir plus que ça, lui. Ouais voilà c'est ça. J'aimerais bien qu'il vienne mais pas pour ce prix là tu vois.
De quoi? Ah, avec l'attitude. Après toi c'est vrai que t'es moins tolérant que moi à ce niveau là mais... C'est pas tout à fait son club formateur. C'est Bondy. En région parisienne. Voilà, on a perdu 500 000 abonnés. On n'a pas compris pourquoi. Non. Moi j'espère le contraire pour l'équipe de France, tu vois. Toi c'est ce que tu crois. Oui, bien sûr. Mais imagine il se blesse pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut. Je dis pas que c'est le meilleur. Ça peut être l'un des meilleurs à son poste en France, tu vois. Moi, c'est pas par rapport au Real, hein. Ça a rien à voir. Hein. C'est son comportement qu'il a eu avec l'équipe de France qui me vénère. C'est ça qui m'énerve par rapport à Benzema. Plusieurs interviews, il a dit des trucs comme quoi il avait choisi la France pour le projet sportif et que il en avait rien à foutre de la France. Son vrai pays, c'était l'Algérie. Bah écoute, fallait choisir l'Algérie. La France, enfin l'équipe nationale, c'est pas, enfin moi. Je vois pas ça pour le côté sportif. Le club, ok, tu vois. Mais l'équipe nationale, c'est pour représenter ton pays, tu vois. Tu te donnes pour ton pays, tu vois. C'est censé être un honneur de porter le maillot de ton pays, tu vois. Bah non. Mais c'est pas la même chose. Lui, c'est pour son projet sportif qu'il fait ça. Ouais, projet sportif de quoi, mais qu'ils ont vendu tous leurs joueurs.
Ouais, mais... De toute façon, c'est le dernier match. Voilà, après on va aller. Ouais. J'espère qu'il y a du monde dessus parce que. Dans la fois, j'ai voulu y rejouer et. Il n'y avait personne. Hein. Ouais, j'ai mis 3 heures à trouver une partie. Alors, je sais pas si c'est les serveurs, mais. Bien joué, bien joué le centre. Des fois. Ouais, je sais. Je sais pas ce qui se passe là mec, mais tous les défenseurs mec ils montent en attaque. Que ce soit les nôtres ou les leurs. Ouais. Non. C'est lui ? Oh, il est pas très bien fait hein. Alors est-ce que c'est à cause de l'arrêt sur image ou quoi, mais là il est pas bien fait en tout cas.
Ah, mais il y est dans le trailer. Je viens de le voir là. Ouais, dans le trailer, il a l'air mieux fait. Hein. Tac, un pote que tu as humilié comme chaque année sur FIFA 18. Comparaison des 8 célébrations entre FIFA et PS. Non, mais vas-y, oh my god, c'est quoi qui voit. Non, mais franchement, là, c'est bon, j'en ai marre. Avec leur pub là, vas-y. Oh bon, là, c'est bon.